ça. Voilà, le replay d'ici, et on démarre avec Werewolf Ninja, on l'avait refait. Non, on l'avait surtout... Bah, on avait fait deux parties la dernière fois. Mm-hmm. D'accord, Ravioli, par pitié, ne viens pas par ici, tu m'as déjà tout viré hier, l'écran a miraculeusement survécu. Ah bah voilà. Désolé pour les oreilles, mais non, c'est bon, c'est juste la bouteille. Voilà, ouais, bah, il va pouvoir jouer avec, c'est très très bien. Voilà. Alors, est-ce qu'on avait... Non, nouveau thème, on avait peut-être pas besoin. Post-apo, c'est cool. Parce que post-apo, tu peux faire du Fallout ou un truc dans ce genre-là. École, tu peux faire des jeux pour les jeunes. Ouais. Bah, c'est de la simu, de toute façon, l'école. Mais je crois que Werewolf... Ouais. Alors, Werewolf Ninja... Même école, école aventure ou école... Ouais, mais attends, historique des jeux. Werewolf Ninja, c'était quoi? Ouf. Ah, oui, on avait fait... Mmh. Ah non, c'était pris une caisse. Mmh. Oh, ça, oui, putain, on avait très très mal fini. Il se rembourse le pas. Ouais, sans plus, hein, tu vois, c'est le, ouais, le chiffre est là, hein, c'est sans plus. Hein. Ah oui, 3,5 oui. Ah ouais, vraiment, c'était manger une quiche, là. Et c'était quoi le... Ah oui, le loup-garou action. On a fait un rapport ou pas? Oui, je crois. Hein. Ouais. Ah. Ouais, parce que c'est sur une personne que tu fais les rapports. Ouais, non, bah oui, on l'a fait. Laisse cliquer, en fait, quand tu fais rien comme ça. Tu bloques le temps. Ouais. Mais j'étais en train de réfléchir. Parce que du coup j'ai un trou de mémoire vu que j'ai fait le montage du replay il y a un petit moment de ça. Je ne sais plus. On est d'accord que là le chat est en train de baiser la bouteille. Non, il est pervers. Il est juste en train d'essayer de la choper comme il ferait avec une proie, c'est tout. Tu vois, il n'arrive pas à croquer dedans. Il essaye de faire en sorte d'écraser la bouteille pour y faire ses dents. Alors c'est moi qui ai l'esprit mal placé. Oui, c'est toi qui as l'esprit mal placé. Un humain a toujours l'esprit mal placé. Il vient ça de nous faire... Ça me rappelle certains moments avec toi, chérie, ça. Oui, quand on se roulait dans les pâquerettes dans les champs, c'est ça. Je le connais pas. Je connais pas cet homme. Je ne sais pas qui c'est. Mais oui, donc développer un nouveau jeu, peut-être, en sachant qu'on a fait en action... moi j'essaye d'être sérieuse, soit tu fais toujours autant le con. Bon, on va chercher plutôt un nouveau thème, comme ça on est sûr de partir sur une bonne base. T'as fait quoi, post-apo ? Non, je n'ai encore rien fait. Ah. Rechercher. Nouveau thème, parce qu'après les jeux moyens, autant peut-être les faire un peu plus tard. Oui. Salut Jordi, on va très très bien. À tel point que Quentin vient déjà de lancer au moins deux conneries en l'espace de 10 minutes. Et c'est, bah non, c'est deux, pas encore hardcore. 2,5 parce que le. Ah, 2,5, pardon. Pardon. Post-apo. Post-apo, ouais, tu disais. Post-apo. Les jeux moyens, on verra quand... 3 personnes. Ouais, voilà, donc on verra quand on sera un peu plus nombreux. Donc post-apo, et avec... qu'est-ce qui marche avec le post-apo ? Aventure, RPG, simu. Mm-hmm. Simu, non, peut-être pas. Ah, simu, non, surtout pas. Parce que je crois qu'on a pas mal de possibilités là dans les recherches. Quand tu regardes, on a. Bon, juste... Ah non, enfin, on peut même pas regarder. Tu peux pas les regarder. C'est chiant. Mais oui, et au niveau du moteur de jeu, bon, on verra après. Post-apo plutôt adulte. Ouais. Ok. Moi j'aime bien l'appeler Fall In pour faire le contraire de Fall Fallout. In. Ouais. Fallout. On peut pas mettre Falling. Enfin, une espèce de jeu de mots. Falling Skies. Bah ouais, ça fait penser à la série, mais dans ce cas-là... Ah bon, il y a une série qui s'appelle comme ça? Ouais, Falling Sky, ouais. Ah merde, ah, je savais pas. Bah justement, c'est une des séries de SF qu'il y a sur Warner Bros, un truc dans ce genre-là. Ah oui, en effet, oui. C'est pas... Je crois, les commentaires sont assez mitigés sur la série, c'est pas... Ah ouais, d'accord. Ouais. Eh ben... Fall In. Personnellement, après, si tu veux, enfin, c'est pas du post-apo, c'est vraiment de la SF. T'as ouais, mais fait des sets qui est cool comme jeu. Oh, ah, ouais, après, c'est comme là, par contre, c'est du jeu de rôle papier. Ah oui. Et moi, j'aimerais bien faire du jeu de rôle papier. En vrai, on m'avait déjà initié il y a des années de ça, mais j'avoue que j'aimerais bien. Le problème, c'est alors, il faudrait que je retrouve mon bouquin de. Bah, je pense qu'à savoir où il est. Mais... Oui, je sais où il est. Je leur foute la main dessus. Faut que je retrouve des aussi parce que c'est tout jeu des aventures. Bah, au pire, ça, avec le nombre de rôlistes qu'il y a à Rennes, il y a possibilité de retrouver des dés et des bouquins aussi de rôle au temple du jeu, par exemple. Ouais, bien sûr. Mais après, c'est soit tu fais un scénario court pour faire une table rapide, mais. Oh, Vardo, il pourrait bien nous aider aussi. Fading Suns, faut mettre au moins 6 heures si tu veux faire une belle table, si tu veux faire un beau scénario. Ouais, ouais. Et après, si tu veux vraiment faire le scénar, parce que c'est vraiment un jeu qui se joue en épopée, qui se joue vraiment sur des sessions longues de plusieurs années,
il faut réussir à faire une table qui tienne dans le temps, quoi. Oui, bah oui. Réunir des joueurs toutes les semaines en moyenne pour jouer 1 ou 2 heures. Oui, et puis en ce moment, c'est pas vraiment jouable, quoi. C'est vrai que maintenant avec Internet, c'est comme particulièrement. Ah, avec Tabletop Simulator, on pourrait faire. Bah ouais, Tabletop, tu te fais un petit peu chier quand même sur Tabletop. Autant tu peux le directement le faire à la main à côté et faire juste une conversation Zoom ou un truc dans ce genre-là. Ah, bah un peu comme aventure. Un peu comme aventure, en fait. Un peu comme aventure, c'était basé là-dessus. Mais du coup, est-ce qu'on fait justement un jeu aventure? RPG plutôt. RPG. Pour du post-apo, c'est du RPG. Non, surtout pas sur Gaming. Play System. Play System. Putain, je crois que les RPG sur Play System, c'est une tuerie. Ah bah oui, oui, en même temps, la PlayStation était faite pour ça. Oui, Star Fox. Et la Tea Time Coffee. Je crois que c'est le Tea Time Coffee. Le Star Fox. C'est sûr. Coût 70 000. On met l'autre. Coût 65 000. Donc c'est le Star Fox. Ouais, c'est le Star Fox parce que de toute façon, il met par ordre du plus récent au plus ancien. Oui, je savais plus dans quelle heure c'était. Non, moi je savais que le Tea Time Coffee c'était le premier. 3DV1. C'est pour ça que moi je mets toujours la génération de moteur, le type alors, de rendu. Je vais mettre voilà, marketing, ça je l'oubliais tout le temps. Ah, merde. Alors, histoire quête, 80% sur du RPG. Oui, bah du 80, coup. 80. Ah, 80, pardon. Moteur un peu moins du coup. Et le moteur, tu peux le mettre à 10, ouais, de 0, entre 0 et 10. Allez, allez. Parce que le moteur, c'est le moteur physique, voilà. En fait. Oui, bah oui. Du coup, ça, je peux laisser. Bah, gameplay, oui. De toute façon, t'as pas les pourcentages qui vont te dire comme quoi c'est pas. L'implémentation que tu fais est complète, on va dire. Oui. Elle est suffisamment bonne pour être complète, donc oui, tu laisses comme ça. Ok. Normalement, marketing. Marketing, allô ? Oui. Non, mais des fois, ça a un peu de mal à démarrer, donc c'est pour ça que je préfère. Bah, surtout quand tu fais du petit marketing, ça va toujours un peu plus de temps parce qu'il va te marquer une fois. Bah, on s'en fout de ça. Dialogue à donf. Ouais, je sais plus dans quel sens tu le ferais plutôt. Non, tu peux mettre IA à 0. Ouais, IA à 0. IA à 0, tu scriptes tout. Je sais plus si c'est design du niveau que tu mets à... Non, je crois que c'est bah pas non, ça. Puisque comme on a mis histoire full sur l'histoire avant, autant augmenter les dialogues à donf, quoi. Ouais, mais je crois que les dialogues à donf, c'est pour l'aventure, surtout. Ah ouais. Ouais, mais je crois que les RPG à ce niveau-là sont exactement pareils que ouais. Que l'aventure, donc du coup, tu peux laisser comme oui, ça. Non, oui, non, pour moi, je laisserais ça comme ça, ouais, ok. C'est vrai que tu vas plutôt mettre design du monde plus sur à fond sur de la simulation. C'est non. Alors les bruits derrière, c'est le chat qui passe. Oui, bon. Enfin, oui. En fait, il teste la gravité, je pense. Il l'a déjà réussi à l'aplatir un peu. Oui, là, j'ai essayé de bouffer, donc c'est design. Je crois que c'est 180-40 là. Ouais. Design du monde, tu le pousses assez loin. Ou peut-être 80-140. Non, parce que graphisme, faut pas le mettre à fond sur lui. Eh oui, c'est ça. Donc non, c'est 100. Donc c'est ça, oui. Monde, c'est... 80 graphisme, 40 le son. Non, de toute façon... Excuse-moi. Graphisme, 40%, son, 80 plutôt. Ah. T'es sûr? Ouais. Le son est très important sur RPG. Oui, parce que l'RPG, c'est des jeux qui sont typés ambiance. Oui, et puis oui, voilà, c'est ça, t'as surtout de l'ambiance, donc le graphisme. Puis les graphismes, tu t'en fous en fait sur un RPG, c'est pas ouais, bah important. on va laisser ça ainsi. On va laisser ça ainsi. Dev étape 3. Vite, du marketing. Vite, toujours plus de marketing. Et lui, il est en train de crever. Il est en burn-out. Non, mais c'est bon, dès que t'es fini un jeu, tu te fous en. Ouais, en putain, recours. J'allais appuyer sur terminer par défaut, enfin, il était bugué à donf. Oh, puis il y a beaucoup de design par rapport à la tech, si on a ouais, un bon rapport. Allez, oui, non. Vas-y. Oh putain, merde. Quel connard. Un bug, je crois que c'est pas grave. Ouais, non, un bug, c'est pas grave. Est-ce qu'on a des updates? Des upgrades. Oui, il upgrade. En raison de sa montée de compétences. Putain, loot. Ouais, non, bah je veux mon salaire x2. Salaire x2. Allez, partons en vacances. Et toi, tu lui fais. Allez. Le rapport. Voilà, le rapport. Parce que c'est vrai que sur PlayStation, il y avait énormément de RPG. T'avais surtout beaucoup de jeux typés action. En fait, c'était surtout pour faire tourner la 3D. Quoi. C'est ça, bah Tomb Raider. Bah, c'est un jeu d'aventure, enfin, plateforme d'aventure. Eh putain, c'est une tuile. Alors, où est-ce qu'on a merdé? On a merdé, c'est sûr, mais où? C'est une autre question. Donc, le rapport va sûrement nous le dire. Après, là, je te propose peut-être qu'on cherche un thème aussi dans la simulation de ville.
pour faire SimCity. Putain, il a du mal à s'en. Parce que les simulations, moi, sur mes parties, je... Alors, ok. Gameplay important, ouais, bah ouais. Non, mais ça, c'est confiance qu'on savait déjà. Quoi. Peut-être qu'il y avait... Peut-être qu'il fallait encore plus de design. Non, je pense que c'est peut-être le rapport à la console, le public console, parce que la PlayStation... Mais oui, on a fait public averti, c'est con. Ouais. C'est vrai. La PlayStation, c'est pas quelque chose pour les publics avertis. C'est plus... enfin, il aurait fallu le faire sur PC, en fait, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Il aurait fallu le faire sur PC, c'est peut-être là où ça a pêché. Mais du coup, en recherche... La ville. Oh, histoire. Oh, je crois que c'est chiant, l'histoire. Non, c'est stratégie, histoire. Ouais, vite. Civ. Les Civ. Kaiser 3, Pharaon, Cléopatra. Age of Empire. Age of Empire aussi. Mais peut-être plutôt repartir sur du simu, soit école, soit ville. Aussi. Mais ville. J'irais plus ville pour faire SimCity, en fait. Quoi. Parce que là, techniquement, ouais, on est fin 90, début 2000. Mais non, jamais de la vie. Peut-être qu'il y a une partie que je ferai où je jouerai vraiment bâtard. Regarde historique des jeux pour voir s'ils se remboursent. Historique, merde. Ça dit historique des jeux. Non. Il s'est remboursé, si, parce que t'as un bénéfice de 35. Oui, il s'est remboursé, mais alors bonjour le bénéfice qui est pas terrible, quoi. C'est... Donc là, on peut se permettre du coup de développer pour tout public SimCity. Ouais, je simule, j'y arrive vachement bien. Sur PC, ouais. Ah, tu vois, ouais, peut-être on aurait dû faire ça là, en fait. Toujours avec Star Fox, hein. Le lave-vaisselle qui finit son cycle, bien sûr. C'est l'avantage d'habiter dans un T2 où tu as ta cuisine dans ton salon. Ouais, bah oh, tiens, c'est concept pour les Sims 4, avoir sa cuisine dans son salon. Je voudrais pas le renommer SimCity parce que c'est un peu facile comme titre. City Skyline. City Skyline, ouais, mais. Sky City Line. Non, essaie de faire la traduction française pourrie. Alors... City Skyline, ça fait. Cité gratte-ciel, on va dire. La cité des gratte-ciel. Ouais, la Tessie. La Tessie. La Tessie. La Tessie. Eh, non. Tessie. Des... La Tessie des gratte-papier, j'aurais fait aussi, peut-être. Non, des gratuits. Oh, ok. Voilà. Oh, tu pars. Hein? Des gratte-puc. Voilà, c'est moche, mais bon, ça passe. Donc, on a bien tout mis. attention, hein. Attention. Alors attends. Oui, donc c'est ça. Moteur, tu le mets à 80. Attends. Et c'est l'histoire 4 que tu mets à 0. Non, il y a un truc qui est à 0. Oui, c'est l'histoire 4 pour la simu. Tu mets le moteur à 100 et le gameplay à 80. Oui. Merde, je sais plus. Mais du coup, tu m'as foutu le doute, je sais plus. C'est quoi ? Qu'est-ce donc ? Gameplay, ouais, quand même. Oui. Pourquoi je fais clic droit à chaque fois ? C'est chiant. Bien sûr, je suis nul à chier. J'aurais pas dire à chier, mais je... Zung. Oui. Voilà. On remet un petit coup de marketing. Allez, on va tout mettre sur les Sims. C'est pas normal que ça soit voilà à égale distance. Faut à fond de la techno, on a merdé quelque part encore. Non, c'est normal. Attends, merde, ouais, non. Bah, moi, c'est ça. Non, parce que là, le design du monde, justement, il est important. Et le son est pas si important que ça sur de la simu. Donc, le son, tu le mets à 40, tu le mets même encore en plus bas. Encore, voilà, pas plus. Ouais. Et le design du monde, tu le mets à 80. Voilà. C'est bizarre, moi ça me... je sais pas. Ouais. C'est bon, tu vois, on a plus de tech. Effectivement. Dans les deux, moi la Venagir sera... Ouais, bon, on s'en fout. Hein.
Elle est terminée avec au moins une dizaine de bugs. Oh, on n'est pas chez Ubisoft. Vous. Ah bah oui, let's go. La G3. Oui, oui, allez, allez-y. Allez-y, encore, non. Allez, banzai. Ah, attends, t'entends. Hein. Voilà. Là, ça va. Mais par contre, faut qu'on fasse gaffe. Ouais, faut qu'on fasse un bon jeu. Ah, par contre, là, voilà, on va avoir... Là, on va avoir des nouvelles techs. Et la 3DV2 qui sort. La progression des persos aussi. Du coup, rechercher... ça en premier, peut-être, je suppose. Ouais. Ou la progression des... Oh, remarque, on peut... Les deux sont aussi chers, donc tu fais 3DV2 et on fera la progression des persos dès qu'on peut et on fait un nouveau moteur si on a assez d'argent. Exactement. Allez, hop, let's go le rapport. Allez, j'espère par contre qu'on va pas se mettre dans la merde à cause de celui-là. Oh putain, c'est une caisse. Mais oui, mais moi je te dis, il y a des stats moi qui me paraissaient bizarres par rapport à ce que tu me disais. Moi, c'est pas comme ça que je les faisais, les... Attends, on va faire... il faut que je regarde le tableau, en fait, parce que dans mes souvenirs, c'est pas comme ça que je les faisais. Il nous faut le tableau. Je cherche le tableau. La Tessie, d'accord. Putain, quand je vois le titre de loin, au secours, quoi. La pépinière, la Tessie des gratte Huc. Bienvenue. Veuillez tester notre jeu. c'est quoi? C'est Game Data. C'est ça. Moi, le tableau, je faisais pas comme ça. Après, Gale. Bon. Oh putain, la vache, je sais plus écrire. Quand même, bon, ce qui est drôle, c'est que le but, c'est aussi de pas le refaire avec le tableau, bien sûr. Hein. Mais voilà. Le fait est que moi, c'est pas comme ça que je faisais le jeu quand. Oh, le gros 4 4 Oh, le 4 Alors. Pardon. Oui, moteur relativement important, ça, ok. Ouais. Mais encore. Il y avait trop de design. Hein. Nous n'avons pas réussi à rentrer dans le top. Oui, non, mais ça, c'est normal. Venaguir. Puis on n'a pas les moyens d'embaucher quelqu'un, clairement pas. Oh putain, ils ont complètement refait le... Ah, ils ont refait la page, super. Ils ont refait la page, ouais. Voyons voir. Est-ce que je peux pas tout simplement développer une suite, peut-être d'un jeu qui aurait été apprécié, et voir si on peut pas l'améliorer sur un truc un peu plus 3D, au final. On a dû faire des jeux qui étaient pas forcément terribles. Là, le problème, c'est qu'on commence à avoir des problèmes niveau pognon. On n'arrive pas à sortir de gros jeux. Parce qu'attends, le tout premier jeu qu'on a fait, c'était quoi? Drunking Island, déjà, ça commence mal. Non. À la prochaine à droite. Tu vois, Transport Simu, ça aurait été un meilleur truc à faire pour une suite, en sachant que maintenant, on a la 3DV1. Et qu'on a fait la recherche pour la 3DV2, mais qu'on n'a pas encore intégré au moteur. Il y avait Gradeus, Avion Action. Le papier Grabataire. Ouais. Ah ouais, Avion Simu, on l'avait bien réussi, ça aurait été sympa d'en ressortir. Risque. Tom Nook Simulator. Non, Tom Nook Simulator, ça avait très mal viré. Track and Tendinite, ok. Les livres hallucinés, non. Flying Smirnoff, qui a été notre plus gros succès, mais c'est trop proche pour qu'on en fasse... Hein, quoique... C'est bon, j'ai le tableau pour les deux. Alors du coup, non mais le tableau, moi je voulais voir le tableau pour la simulation, qu'est-ce qu'il disait. Alors, en fait. Parce que moi je suis sûr qu'il y a un moment donné, moi j'avais d'autres données. Moteur gameplay, mais les attends, deux sont à 100. Donc 104, voilà, 180, simulation. 0. 100, tu 100, vois, il y a plein de zéros en fait, et c'est peut-être pour ça qu'on s'est planté. Oui mais zéro c'est vraiment, tu tires la tirette vers le bas. Ouais mais justement, c'est ce que moi j'étais parti pour faire à certains cas. C'est ce que je te dis à chaque fois, tu mets à zéro, et toi tu mets demain, faut toujours mettre un petit peu. Non, tu m'as dit justement l'inverse. Ah non. Si, si, à des barres où je voulais les mettre à zéro, oui, tu m'as dit le que les... Oui, mais notamment. Justement. Tu vois, il n'y a que aventure où le son est à zéro. Le reste, bah, c'est 80 ou 40 et ah pas oui, zéro. Du coup, j'ai confondu les deux. Et c'est pour les RPG. D'accord. Ok, parce que... Ouais, non, je sais pas. Piggy Rush, oh la vache. Oh, cet échec. This is War. Ouais. La guerre. Ouais, on a fait en stratégie il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Parce que là, clairement, faut qu'on en refasse un, et là, faut pas qu'on se rate. Ouais. Bah, le problème, c'est que là, on a un moteur qui est vieillissant, mais on a pas vraiment l'argent, et puis surtout, on fait les contrats courts. Ah oui, les contrats. Pour récupérer de la recherche, oui, on oui, essaie oui. de développer le nouveau moteur, et on essaie de sortir un gros jeu dans la foulée. Alors, trouver un travail... Si ça marche, on sort de la merde, sinon, faut recommencer une partie. Ok. Celle-là, 5 semaines. Ouais, faut juste pas qu'il ralentisse quoi. Il faut lui qu'il se bouge le cul en fait quoi. Bon, elle toute seule, elle peut y arriver. Voilà. Exactement.
ça ok. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, tu les fais tous. Bon, tant qu'à faire, hein. Parce que là, c'est générer de la recharge qu'il faut, c'est pas du pognon. Ouais, ça va être quand même un petit peu le pognon, ouais. Hein. Ça va être quand même un petit peu, parce que là, par moment... Moi, ouais, ça va, génère des deux, ça va beaucoup plus vite au final. Parce voilà. Que lui, c'est... On l'avait pris en quoi? On l'avait pris mixte, couteau design, couteau tech. Je crois qu'il était plus... Alors, il était mixte à la base, mais il était plus tech. Plus tech? Ouais. Donc on peut se permettre de prendre des contrats avec une majorité technologique. Oui. Bah maintenant, c'est la patronne qui se gratte la tête. Non mais où va le monde? Où va le monde quand le PDG ne peut plus faire son boulot? Allez, putain. Petite... Merci. Au secours. Tu es tout seul. Ça vient d'où ça? C'est bien un truc de JDG. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait que ça venait, de, ça venait de... Ça venait de JDG. Petit patron. Non! Fais pas de recherche sur les thèmes. Non mais je regarde ce qu'il propose. Pas de panique. Ah, regardez, il y a deux minutes. On se calme. Oh. Non, il y avait Pirate qui venait de popper. Et là, on pourrait faire Corsair. C'est 4. Corsair, bah Kev, lui, je crois qu'il voulait le faire. Parce que en même temps, moi, j'hésitais à le faire, si tu veux, Corsair. En stream, le problème, c'est que Kev est 10 fois plus doué que moi sur ce jeu. Et je sais qu'il y a lui qui peut vraiment aller voir, enfin, comment dire, vraiment bien présenter le jeu, parce qu'il connaît vraiment tous les tenants et les aboutissants. Moi, j'étais tellement naze à ce jeu que j'y jouais plus, au fait, quoi. Est-ce qu'en même temps, on ferait pas une suite des papiers grabataires? Ouais. Ça pourrait être bien, hein. Alors, du coup, développer une suite. Les papiers grabataires, parce qu'ils remontent pas loin, ce truc. Mais après... Il était pas trop mal. Mmh. Ouais. Ouais. Hein. Ouais. Ah, bah oui. Bien sûr, excellent combo. On l'avait mis à... Bah non, on n'avait pas à sélectionner le public puisqu'il n'y en avait pas. Tout simplement. La suite de Le Papier Grabataire. Le Papier Grabataire 2, le retour de l'EHPAD. Non. Comment je peux être obligé d'écrire ça? Je suis pas sûr qu'en plus le tout passe. EHPAD Adventure. Bon, allons-y. Parce que c'est vrai, pour avoir fait un stage en EHPAD, c'est quand même une sacrée aventure. Le papier grabataire... Attention, faut pas que j'aille sur le pavé numérique. 2. Ah! EHPAD Adventure, LPG 2. Alors, je vais mettre plutôt LPG 2. Ouais. Ça fait beaucoup de majuscules, hein. On a l'impression qu'on gueule, en fait. Bah, en même temps, ils sont à moitié sourds. Et pas d'or. Non, je te rassure, il y avait très peu de sourds au final, moi, là où j'ai été. Ou bah, ils étaient bien appareillés. Non, même pas, non, il y en a qui n'avaient pas d'appareillage, ils entendaient très très bien. C'est juste que. C'est le problème, en fait, dans cet EHPAD-là, c'était la grandeur de la cantine. Et la question se posait de est-ce qu'on doit mettre, tu sais, des paravents pour séparer les tables entre elles, en sachant bah, qu'il y avait des personnes, il y avait une personne qui entendait mal. Et le problème, c'est que tout le bruit, toute l'ambiance de la cantine, sans séparation, faisait bah, qu'elle avait un brouhaha quand même dans les oreilles et elle entendait pas ce que les gens disaient, quoi. Du coup, elle était isolée à table et ça, c'était terrible pour elle, quoi. Déjà que c'était une dame super gentille, qui avait peur en plus de l'isolement. Donc là, comme ça va, on change rien. Bah, on met quoi, tout public ou public averti? Public averti, en vrai. Ouais, hein. Bah, il y a la scène de fondre des couches, hein, oui, il faut mieux être public averti. Oh, mais il y avait pas ça, un truc, un jeu obscur avec Sonic? Sonic, ouais, non, mais c'était ça, c'était Sonic. Alors, attends. Non, regarde, alors, je vais faire un truc déjà RPG, histoire quête, c'est sûr. Moteur un peu moins. Gameplay quand même un peu. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Hein. Moteur 0. Ah ouais? Oui, je t'avais dit, le moteur, faut le mettre à 0. Ok. Il faut quasiment deux fois plus de tech que de design. Voilà. Ah ouais, mais est-ce que enlever certaines fonctionnalités, ça enlève du coup des points de quête, des points de technologie et des points de... Oui, c'est comme ça que t'as pris dessus. Bah, du coup, tout ce qui est... Ouais, maintenant, on va pas supprimer les sauvegardes. Non, parce qu'en fait,
si tu mets pas assez de temps de travail sur un truc, si oui. tu as des options sur le côté, tu vas avoir un certain pourcentage de complétion, ça sera pas à 100%, donc en fait, le développement de la technologie sera pas complète et ça va faire baisser la note de ton jeu. Mmh. Ok. D'accord. Tu sais, le fameux argument, c'est si tu fais un truc mal, ne le fais pas, quoi, dans un jeu vidéo. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Au lieu de mal implémenter quelque chose, tu ne le fais pas. Ça, non. Ça, oui. Est-ce que tu me dis si j'ai juste? Ouais. J'ai raison. C'est bon. Oh, ok. Let's go. Let's go, tout de toute façon, là, le tableau va nous aider. Ah, populaire, nouveau sujet. C'est con? Bah, ouais. Bah, on fait une suite. Ouais, bah écoute, hein, tant pis, hein, le problème c'est que bah des fois, voilà, la tendance du marché, bah t'as déjà un projet en route. Enfin, voilà quoi. Donc plus de design, donc plus de son et moins de design du monde, je pense. Et des graphismes. Hep, tu fais quoi là? Oh, mais c'est pas vrai. Il faut, en fait, il faut à chaque fois les papiers par terre. C'est chiant. Oh, wow. Comment il s'est révolté? Oh, le révolutionnaire! Putain! Ravioli révolutionnaire! On a un chat d'artiste! GG! Bravo! Le combo! Le chat a littéralement contesté! C'est le propulseur de Dark! Le propulseur Dark! C'est ce qu'on appelle de la rétropropulsion! Bah oui, bien sûr! Oh la vache! Bah écoute, j'en sais rien, vas-y, j'ai pas fait quelque chose. C'est l'inverse. Parce que là, j'ai un doute, ouais, c'est l'inverse, ouais. Et ça, en bas, je crois. Hein. Non, non, 40. 40, oui, bah. C'est juste. Voilà. Oui, bah c'est ça. Ouais. Ouais, t'es bien là. Ouais, allez, let's go! C'est perdu, mon kiki. Voilà, bah là, le design est explosé. Oui, mais il faut quasiment le double. Oui, bah voilà, c'est ça. C'est bon. Ah. Ouais, enfin, le double. Là, non. 19 x 2, ça fait pas. Ça fait pas 30, hein. Non, ça va. Oh, le bug de la mort. De la mortadelle. Mais merde. Ah, heureusement. Ah oui, Lucifer, oui. Oui, Lucifer. Alors... Waouh. Ah, le disque qui sort, c'est pas... C'est un 6, merde. C'est pas... C'est... Oh putain, mais c'est une tuile. Mais merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah, oh, donc ça va être un 7. Mais putain. Oh non. Mais... Bâtard. Eh, hey, non mais... Les papiers, faut juste les mettre ailleurs, en fait, je pense, hein, parce que là, au bout d'un moment... Oh, la tête qu'il fait! Pose-le par terre! Je pense qu'il a compris. Non mais, il aime foutre les papiers par terre, enfin, tous les objets, d'ailleurs, par terre en ce moment, hein. Il fait comme les bébés, c'est-à-dire qu'ils sont sur leur chaise haute, en train de manger leur petite purée, et puis, il la fout par terre, surtout. Moi, c'est ce que ma cousine faisait, jusqu'à ce qu'elle me la mette sur la tête. A reçu, ouais, une... Ah, mais merde! Oh, faut vraiment qu'on fasse quelque chose qui nous sorte du lot, quoi. Là, il faut qu'on cherche un nouveau sujet. Non, le problème, c'est qu'il faut faire un moteur. Là, tu cherches la progression des personnages et on fait mon nouveau moteur. Bon, allez, ouais, mais on est... Oui, on va soudain la merde. Bah, là, de toute façon, faut qu'on fasse un nouveau moteur, quoi qu'il arrive. Donc, Parce que là, on a un moteur qui est totalement... Putain, c'était pour ça aussi. Bah oui, c'est que le moteur est obsolète. Les moteurs sont vieux, tu perds. Exactement. Donc c'était nécessaire. Ah bah, on va le faire partir en vacances après avoir fait le moteur. Là. Bah là, maintenant. Ah oui, non, il faut le faire tout de suite, sinon il va faire de la merde. D'accord. Du coup, créer un moteur de jeu. Je mets les deux dedans ou j'enlève la... T'enlèves le V1. J'enlève le V1. Ok. Ça coûte moins cher et en fait, tu vas jamais le... Putain. Laisse tomber, on n'a pas assez d'argent. Oh, fais chier. À moins qu'on fasse un casu. Le casu, il y a que sur un téléphone portable que ça fonctionne. C'est pas encore l'époque du casu. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Faut qu'on fasse quelque chose. Mais quoi? Parce que la tendance actuelle, c'est un nouveau sujet. Seulement le temps qu'on développe le truc, ça va disparaître. Donc, voyons voir. En fait, on aurait dû faire une suite Simu, d'Avion Simulator, qui avait été notre plus gros succès au niveau du Simu. Militaire stratégie. J'ai envie de sortir une strat. Strat sur PC et public averti aussi. Mais le problème, c'est que ça fait deux jeux public averti d'affilée, quoi. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, je crois que...
ce qui pose problème, c'est que tu sortes deux sujets. Par exemple, tu sortes deux militaires d'affilée. Ça, oui, oui, oui. Mais en militaire, qu'est-ce qu'il y avait? Bah, il y avait Code, il y avait Medal of Honor. Ouais, mais là, c'était sur de l'action, t'es pas sur la strat. Oui, mais je cherchais des jeux avec des titres, justement, dont le thème principal était l'ambiance militaire. Stalker? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Je peux pas plus. Bah, en fait, c'est la tour qui me gêne parce que si je m'avance, je peux pas avancer plus que ça. Et en fait, si je me. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On avait fait quoi dans Flying Smirnoff, c'était autre chose. Stalker, tu peux faire ça, même si c'est juste post-apo militaire. Je sais pas, un objet. Quel est le premier objet qui te vient en tête quand tu penses à militaire? Blingue. Ok. Char. Ouais, mais en stratégie. Char. Oh. Char. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu de mots à faire avec char? Char de salaud. Hein? Char d'assaut? Char de salaud? Non, ça ne passe pas. Char d'assaut, oui, char d'assaut, ok. Mais est-ce que... Char en thèse? Oh putain, oui! Regarde, le génie! C'est char de salaud, je te... Non, je suis désolée! Char en thèse! Voilà, exactement. Ouais, sur le tapis, c'est mieux quand même que sur le parquet. Ah, Nintendo 64! On va pouvoir faire un Zelda Ocarina of Time! Alors, je crois par contre qu'il y a ça et alors, ça. Strat, non, c'est. Ça, c'est. Ça, c'est casu, ça. Hein, c'est casu! Merde! Strat, ah moteur, oui, merde! Moteur à fond, oui, graphisme zéro, son. Ah non, merde, ça y est, désolé. Oui, mais voilà, c'est ça, c'est. Bah, histoire 4, on a qu'à enlever histoire linéaire déjà. Tu inverse gameplay moteur. Voilà. Ah bah, remarque, oui, non, si, c'est plus logique. Allez, bon, on va tout mettre sur celui-là. On va tout mettre sur celui-là, parce que là, c'est l'heure est grave. Faut plus de tech, je crois. Hein. Dialogue, on s'en branle. Normalement, c'est ça. Hein. Parce que History Cat, on a. Enfin voilà quoi. Traverse. Hein? Design et IA. Bon, merde quand même. L'IA, ça compte surtout sur la simulation d'action. Allez! Achetez mon jeu! Achetez ma merde! L'écart est pas assez grand! Ah, mais générer de la tech, c'est difficile, j'ai l'impression. Ouais, ouais, on aurait peut-être dû embaucher quelqu'un full tech en vrai. Ouais, ouais. Parce que là, franchement, au niveau pognon, on se casse la gueule. Si le jeu marche pas, il va falloir recommencer une partie. C'est con parce qu'au final, tu vois, nouveau sujet, je pensais pas qu'il allait durer à ce point. Hein. C'est con! Non, c'est quand tu fais des jeux moyens ou des trucs dans ce genre-là que le token populaire passe sur les petits jeux comme ça. Voilà, j'ai un peu bougé pour que ce soit un peu phase plus. Phase 3, long. Phase 3, c'est ça. Phase 3, normalement, c'est ça. Strat, même son, je crois que. Ah non, tu vois, c'est l'inverse. Stratégie, design du monde, tu mets à fond. Graphisme 0, c'est la stratégie. Oui. Ah, c'est 80. Je trouve pas mal du design, je trouve quand même. Oh là là, 894, c'est dramatique. Là, c'est vraiment dramatique. Oh putain de merde. Bah, tu veux pas? T'as pas assez d'argent. Fais chier. Oui. Ah ouais, c'est. Oh putain. Et on était tellement bien partis. Allez, mettez-moi de la tech. Par pitié, mettez-moi de la tech. Allez, vas-y. Oui, merci. Pour une fois que tu fais quelque chose de bien et qu'il rajoute pas un peu à la dernière seconde. Oh là là. Au secours! Et parce que de base, est-ce qu'on peut pas voir. Voilà, liste du personnel. Bah non, c'est un. Ah, tu vois, il était plus tech. Ouais, il était pas très bon.
parce que niveau 2 à 21 000 par mois. Ouais, moi, mais tu te souviens. Les tokens, ils sont à plus de. Enfin, il est à plus de 200 en techno, il est pas. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, on avait vraiment des nazes hein, quand on a recruté. Ouais, mais on a vu beaucoup d'argent, je t'apprends, pour des bons. Bah, ouais, là, il va falloir peut-être. Allez, s'il te plaît. Remonte. Oh allez, remonte un 7. Allez, 7. Allez, allez. Allez, la salvation. Ouais, non, mais c'est quoi? Ça va nous sauver, mais. Ça va nous sauver, mais. Je fais la rendue de jeu. Ah! Ouais, bah on aurait pu faire un nouveau sujet. 30, c'est pas mal en rang, là. C'est pas mal. Moteur important, ouais, d'accord. Il est en train de retourner le salon! Bon, est-ce que là, bah, du coup, on cherche un nouveau sujet peut-être? Ou est-ce qu'on fait notre moteur? On n'a pas d'argent pour faire le moteur. Bah, du coup. Ouais. Bon, bah. Allez, on tente. Allez, générez-moi des gros tokens de techno. J'ai peur à chaque fois, tu vois, qu'ils se mettent à se gratter la tête. Ah, on le cède ou on le vend? Si on le vend, on le vend pas cher. Ouais. Ok. Allez. Je regarde ce qui est le plus court, en vrai. Enfin, ce qui est... Au niveau des semaines et des tokens à générer, ce qui est le plus faisable, hein. Franchement. Ah, salut, gros là. Bon, les chats... Ah, salut, Juba. Je crois que j'ai un poil dormi. Est-ce que c'est mieux qu'hier? Seulement. Bon, les charentaises nous ont permis de remonter la pente. Ouais, ça c'est jouable aussi. 4 semaines, ouais. Et on fait un combat de catch de chat. Oh, la tronche de l'étiquette! Ah oui, quand je te dis qu'en fait il était en train de l'apaiser la bouteille. Mais non! Oui. Mais t'as l'esprit mal placé, mon pauvre gars, mon dieu! Du coup, je te propose, vu qu'il n'y a plus de contrat court et qu'on a besoin de sous, de chercher un nouveau thème. Non, parce que si on a besoin d'argent, si je cherche un nouveau thème, ça va. Ah non, ça... Un immense céphalée rectale, mais pas mal. Bon, en espérant que ça se passe quand même bien. Bah oui, à cause de ton siège, ouais, il a une assise de merde, ouais, comme moi, il faudrait que je mette un coussin. Un jour, peut-être. Mais du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on cherche des trucs ou non, que... Parce que déjà, si on cherche des trucs, ça nous demande de l'argent pour lancer la recherche. Et on n'a pas assez de sous pour le moteur. Non, ce qu'il nous faut, c'est faire un nouveau moteur. Oui. Pour nous remonter en technologie. Oui. Mais on n'a même pas l'argent pour faire ça. Voilà. Ouais, on sera court. Quel est le dilemme là pour la boîte? On est sur un cruel dilemme là quand même, hein, parce que c'est mis dans la merde 3 fois de suite. Bah pour moi, faut relancer une partie. Hein. T'es sûr? Ouais. On n'arrivera plus à faire de bons jeux parce que notre moteur est trop vieux. Oh. On n'arrivera plus à générer assez d'argent pour pouvoir créer un nouveau moteur. Là, on est en boucle infernale. Ah merde! Oh, la pépinière n'aura pas survécu! Merde, alors attends. Parce que là, ça va être juste essayer de faire un truc. Alors attends, parce que du coup, je suis obligé de revenir sur Twitch juste pour changer le titre parce que j'ai dit qu'on ferait la suite de Smirnoff. On pourra quand même la faire, mais pas là quoi. C'est juste le problème. Mais non, pas du tout. Non. S'il vous plaît. Oui. Gérez le stream. Ouais. Merci. Oh. On va changer le titre, tant pis. Modifier les infos. On est toujours sur Game Dev Tycoon. Et là, ça va être... merde, comment on appelle ça? Le redressement judiciaire. Lucie s'est barrée avec la caisse. Lucie s'est barrée avec la caisse. Et je veux quand même qu'on est sur Game Dev Tycoon, bien entendu. Le redressement judiciaire, Lucie s'est barrée avec la caisse. Voilà, j'aurais dû mettre ça en fait dès le départ.
J'aurais dû mettre ça dès le départ, mais non, ça me fait chier de commencer une partie. Oh bon, on nommera toujours la pépinière, bien entendu. Ça ne changera pas, j'ai failli faire une connerie. Failli ou... Non, j'ai failli. Pourquoi? Tu penses que j'ai fait une connerie? C'est antinomique. Oh là 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 là, ah, ça me fait chier parce qu'on avait eu un gros succès quand même, hein, avant. Ouais, mais le problème c'est qu'on a eu qu'un seul gros succès. Entreprise, bah toujours la pépinière. Ça n'a pas... Oh, tu veux pas changer plutôt? Non! Putain, mais c'est mieux comme nom en plus. T'es sûr? Bah alors vas-y, qu'est-ce que tu proposes? Là tu me prends de court. Toujours c'est Lucie, hein, le, notre joueur, oui, bien oui, sûr oui, c'est toujours, Lucie. C'est, hein. Toujours Lucie, c'est Lucifer, bien sûr. Mais c'est Lucifer. Il faut laisser Lucifer, exactement. Ah, c'est beau de critiquer mon nom d'entreprise, ouais, mais il faut t'avoir trouvé super bien, tu m'as fait non, je peux faire la pépinière. Et du coup. Voilà, on a fait la pépinière s'est plantée. Ah, tu veux. C'est nul. Attends, tu vas le chercher. Ah putain, si. Il faudra leur sortir un titre de jeu. Les développeurs de Star Citizen, voilà. C'est RSI pour Robert Space Industries. Ouais. On peut faire l'industrie spatiale du gros Robert ou un truc dans ce genre-là. Voilà. Ah ouais, mais ça va pas rentrer. Oui, c'est pas grave, tu fais que l'acronyme. Ah. Alors attends. Ah non, parce que nous en France on a Ariane Group. On a Ariane Group, oui. Tout ouais, à donc vrai. On peut faire le Robert Group. Le Robert Group. Mais pourquoi ouais. Le Robert Group? Parce que... Le petit Robert Group. Non, le gros Robert Group, plutôt. G-R-G... C'est ça, ton non, nom d'entreprise? Le gros Robert Group, tu peux l'être en nom. Parce que, justement, c'est à la blague... Robert Group. Gros Robert Group, ouais, voilà. Ouais, Group. Parce qu'en fait, t'as la blague Ariane Group, vu que c'est un truc spatial oui. Par rapport à Star Citizen, tu vois, c'est un thème. Oui. Et Star Citizen est développé ah ouais, par mais Robert il faut... Space Industries. Mais il faut avoir la ref, quoi, c'est niche comme nom d'entreprise. Oui, mais il y a personne qui l'a faite, celle-là, je pense. Oui, bah écoute, bon, bah, c'est voilà. Pas grave. Donc, on va y rester là-dessus, bien sûr, et on va remplacer cette tristement célèbre pépinière. Et de quoi dispose-t-on dans notre brave garage avec notre Lada? Oh. Et raté, oh. C'est pas une Lada, c'est une DeLorean. C'est certes. La bagnole de retour vers le futur. Certes, mais c'était pour faire la vanne de on est vieux, voilà. Mythologie, ville, animaux virtuels, catastrophe. C'est pas si mal que ça vu les trucs pourris qu'on a. Mythologie, strat. Mais oui. Mythologie, strat PC, hein. Et au lieu de mettre Edge of Empire, on va Edge mettre... Edge of Mytho. Edge of Mytho, ouais. Mais pas mythologie. Edge of Medusa. Non, Edge of Mytho. Quoi, Edge of Mytho? Parce que ça fait... C'est le raccourci de Edge of Mythologie, mais Mytho... Ah bah tiens, un mensonge. J'ai fait... Ah! Oui. Voilà. Bah, ouais, oui. Enfin, ouais. Edge of Mytho, l'âge des mensonges. Ok, lâche voilà. Des mensonges, et bah ça... Oh la religion. Oh, mais non, mais pas ici, ça, on s'en fout, on parle de jeux vidéo ici. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on peut parler... Moi, je vais voir la sainte réponse de ces morts. Eh bah, va voir la sainte réponse de ces morts, moi, je fais mon truc. Parce que de toute façon, quoique HistoryCat, il est pas un petit peu augmenté. Non, pas du tout, hein. Ok, bah c'est bien, de toute façon on a les plus. Oui, mais c'est ça. Hop là. Ah oui, j'étais prête à cliquer alors qu'on n'a pas de marketing en fait, on l'a pas encore débloqué. Ah, ça se voit qu'on débute. Hein. Mais qui en même temps qu'il n'a jamais été débutant dans sa vie. Chuck Norris. Pourquoi? Pourquoi j'ai posé la question? La séchance à la fièvre, quand même qu'elle soit là. Si on veut pouvoir avoir un ennemi à combattre. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'aimerais bien me remettre au Edge of. Bah, va falloir bouger Mathieu, parce que lui, il a Edge of Empire. Oui, il a Edge of Empire, c'est vrai. Edge of Mito, justement. Mais j'aimerais bien le voir sur Civ. J'aimerais bien le voir sur Civ, en vrai. Ouais, mais Civ, c'est plus de. C'est plus proche de. Kaisar. Non. Kaisar, c'est surtout à la... T'as de la strat, mais c'est surtout de la gestion avant tout. Oui, Kaisar, c'est de la gestion, c'est civilisationnelle. La stratégie, c'est... Oui, mais tu crées ta cité, alors que là, dans Civ, tu gères des territoires. C'est un peu comme Dracula, en fait.
T'es sûr? Oui. Oui, 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 monsieur. Alors, dans le jeu, si c'est de la merde, c'est pas... Comment ça, c'est de la merde, c'est de ma faute? Ah merde, oui, d'accord, je pensais que tu parlais. Non. Vite. Saloperie de route, putain. Ah. C'est le début. Bien sûr. Ça va aller le coup de calculer ça. Vous pouvez pas juste mettre 300, ça aurait été 10 fois plus rapide en vrai. Oh, ah, c'est pas mal pour un début. Je crois que c'est impossible de faire un bon jeu au début. Oui, bah oui, forcément, tu débutes. En fait, t'as pas... calculer un bon jeu, il se base par rapport à ce que t'as fait avant. Oui, bah oui. Ton jeu précédent. Donc en fait, le premier, vu que t'as pas de base, bah tu peux pas faire un bon jeu. Gros Robert Group est un nouvel acteur dans l'industrie du jeu vidéo. Parce que c'est vrai que... Alors, du coup, on va être quoi? Ah putain! 57! J'ai fait mieux. En solo, bien sûr. Sur ta première partie? Enfin, sur ton premier jeu? Ouais. J'avais fait... 57, et on vient de vendre... J'avais 100 000 fait... copies. 17. Mal, hein. J'avais fait 17. Ah, c'est correct. Oui, correct, c'est plus plus quand même, c'est pas 2, c'est pas 3 plus. Ah ouais. Mythologie, pour et quand c'est 1 plus alors, c'est quoi bon. C'est bon. Ouais. Ah correct, c'est, en t- c'est au-dessus de bon, d'accord. Ah ouais. Ok, et eh ben on enchaîne. Les sims, enfin... Là c'est compliqué. Parce que on catastrophe... A fait quoi, on a fait une stratégie pour faire une simu. Une ville simu, on fait un SimCity. C'est sûr hein. Un SimCity, là, maintenant, tout de suite? Ouais. Ah. En 2DV, hein, ça passe. Pollution Simulator, j'ai envie de mettre, parce que... Pollution Simu. Oui, c'est comme ça. Oui, non, mais je réfléchissais à autre chose. Pollution Simu, parce que... comment dire... SimCity, ce qui est horrible à gérer, c'est la pollution de ta ville. En vrai. En vrai, c'est la pollution de ta ville. Factorio aussi, putain, la vache. Factorio, oh, j'avoue. Ah, la déforestation, déjà, de base. Bah, voilà. Y a rien qui change, en vrai, peut-être augmenter. Attends, si. Non, tu rajoutes du moteur. Mmh. Ouais, tu mets 100, 100. 100, 100, 0. Ah, oui, c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Voilà pourquoi je me suis planté tout à l'heure, aussi. N'est-ce pas? Les refs. Ça va être beaucoup plus rapide, là, je pense. C'est la deuxième partie, là? Oui. T'as mis quoi? Bah, 0, 100, 100. Ah, oui, c'est bon. Bah, de toute façon, j'ai les plus en bas, c'est pas compliqué. Alors, par contre, c'est là. 0, 180. C'est 0, 180, normalement. Ça m'est revenu après coup, en fait. Record de vente, sans deck, déjà. Bah, on est à 10K. Oh, la vache, oui! Ah, bah, c'est bien, ah, pour le premier jeu, ça va. J'allais appuyer sur terminer comme une con. Ah! Un peu plus... Non, un peu plus de design, s'il te plaît. Allez, départage, fais quelque chose. Ah ouais, putain, si lui, il faut quasiment 50% de plus d'attaque. Ah, merde. Droite avant-guerre, tu fais la 13. Ouais, bah oui, mais bon, on n'est pas très... C'est pour ça que moi, les simus, je les fais jamais vraiment en début de partie, parce qu'en mais vrai... Mais tu plus du cul de courant. Mais tu peux te retenir, s'il te plaît. Par contre, là, je trouve qu'à 40, malheureusement, il y a une recherche à faire. Ah non, c'est à 50. On peut pas... Non, parce que les simus, souvent, je me retiens de les faire au... Oh. Sérieux? Merci qui? Moi. On va racheter le cul, tiens. Oh, mais... Avec une pince à épiler. Avec une pince. Merde. À la place de la pince à épiler, tu prends la place barbecue. Ouh, on est passé de 57 à 11. Ah, ça se passe beaucoup mieux. Pas de nouvelles idées. Ok, avec ça, ça aide. C'est con, à 4 points près. Alors, thème, animaux virtuels. Ouais, mais animaux virtuels, c'est casu. C'est sur seulement casu et on n'est pas du tout à l'épaule du casu. Bah, il faut les téléphones portables pour du casu. Oui, bah, et les Game Boy aussi. J'ai vu le casu sur les Game Boy. Ouais, mais je suis pas sûr que ça soit compatible. Si, 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 si. Mais par contre, oui, il y a que la Game Boy.
ou le Game Boy. Et Catastrophe Aventure, ça marche bien. J'en sais rien, Catastrophe, je l'ai très peu fait. Catastrophe Aventure, ça ressemble un petit peu à Day of Crisis sur PC. Ouais, mais là on est allé, on est pas du tout à l'époque, on est à l'époque de. En fait, 80. C'est surtout, faut regarder, c'est Catastrophe Aventure, est-ce que c'est une bonne corrélation? Et quelle plateforme fonctionne bien avec l'aventure? Et là c'est bon. Bah, l'aventure déjà PC. Commodore aussi, ça marche plutôt bien l'aventure. Les deux fonctionnent à peu près sur tout vu que c'est. Bah, en fait, j'ai pas envie de prendre le risque, tu vois, de payer des droits pour la Commodore que. Enfin, tu vois. Oui, non, mais PC, de toute façon, pas. Ouais, oui. Mais ouais, Catastrophe Aventure, je sais pas, parce que moi je vois pas en fait quel jeu aventure a aussi l'étiquette Catastrophe en fait, de tête comme ça. Bah, les, par exemple, les Telltale Games de. Ah, c'est plus du post-apo zombie. Bah oui, Walking Dead, c'est. De Telltale, ouais, c'est. Il y a pas tant de jeux de Catastrophe que ça en fait. Mais c'est ça, c'est qu'il y en a pas beaucoup. Et c'est souvent du post-apo en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est souvent du post-apo. Comment. Bon, allez, on va tester. Twister. Qui est à la fois un jeu de société et un film. Absolument à chier! Voilà. Perso, Twister, quand je l'ai regardé, j'étais en mode. Ok. Mon cerveau a arrêté de réfléchir en fait. Mais... Du coup, on reste là-dessus? Parce que tu dis rien, donc je te pose la question. Bah, en même temps, t'es... Bon, allez, vas-y, voilà. Allez. De toute façon, je ne vais pas attendre longtemps. Ah oui, alors là, aventure, moteur, paf, et gameplay, je crois que ça va être quelque part par là. Voilà. Il faut des zéros. Là par contre, il faut qu'il y ait deux fois plus de dizaines que... Oui, bien sûr, ouais. Tout à fait. C'est bien parti. Voilà. Ouais, ça ouais, et du coup, et ça non, peut-être là... encore, tu mets à 50. C'est une exception. Tu mets vraiment à la moitié. Ouais. Voilà, voilà. Ah. C'était juste pour le pixel en fait. Ah. D'accord. Ok. Bon, punaise, là, oui, en effet, nouveau design. Faut pas que le... Faut plus. Tac. 80. 80, et là, celui-là. 50. Ah, 0 ouais. Ah ouais, donc vraiment du basique de chez basique. Ouais, juste 2-3 bip et puis c'est bon. 2-3 bip et ça suffit, y'a pas besoin d'en savoir plus. Ah, c'est pas mal. Ouais, là on a un petit, peut-être un poil forcé. Normalement, faut juste un peu plus du double. Là, on a quoi? On a 4 fois plus. Oui, bah écoute, hein, au grand mot, les grands remèdes, hein, des fois faut y aller bourrin. Allez. Oh, déjà. Ouais. Oh putain, c'est une merde. Oh merde. Oh. Aïe aïe aïe. Oh, c'est une bouse infâme. Tu vois, perdu, c'est un homme. Mais tu vois, c'est pour ça que Catastrophe Aventure, je le sentais pas déjà d'emblée. Parce que franchement, je sais pas ce qui va avec Catastrophe, en fait, donc... Bah, ça, en fait, le jeu est... Bah oui, non, 4,5, non, ça va pas, ça va pas du tout. Donc là, je te propose qu'on fasse une recherche. Bon, là, on a largement assez de points de recherche pour le faire. Oui, puis on aura peut-être aussi... Pour les cuivres. De quoi? Pour le... Parce que j'avais pas entendu la fin de ta phrase, et après, mon cerveau, il s'est dit « Ah, mais il a dit ça, en fait !» Oui, c'est ce qu'on appelle une blague de donc, hein, oui, petit. Non, mais bref... Ah après... Autre. Fais ton moteur. Doucement. Marine. Mais de toute façon, peu importe, dans un sens ou dans l'autre, ça revenait au même. C'est... Voilà. Non, parce qu'en fait, quand tu fais ton moteur, quand tu fais la recherche de moteur, tu développes la 2DV2 tout de suite derrière. Donc tu fais la recherche de 2DV2 et ensuite tu fais créer ton nouveau moteur. Voilà. Allez, tous ensemble. À la Chewbacca. Quel duo. Ah non, je crois que c'est de sortir la. Quoi? Et on l'a pas encore?
Bah, je crois que ça la sortait dès que tu faisais la recherche pour. Mais non, ça fait que dès que la jauge, tu sais, de... Ah. Et voilà. Tu veux. Bah oui, on va attendre qu'il y a des DVD. Sorte. La mode. On va inventer les loup-boutins virtuels. SF, peut-être. Ouais, on peut faire du SF. Ouais. Faisons Star Citizen avant l'heure. Non, par contre, on pourra faire un MMO. Quand on aura les MMO, on pourra essayer de faire. Ah ouais, un MMO, ouais. Oui, oui, bah oui. Faut que je m'y mette à Star Citizen. D'ailleurs, je sais si ça t'intéresse, je peux te filer mon code. Je peux te filer mon code referral. Mm-hmm. En fait, comme ça, toi, tu l'affiches sur tes lives. Comme ça, les, gens qui, veulent s'inscrire sur Star Citizen, même pas se mettre dessus ou quoi, mais juste s'inscrire pour avoir les newsletters et tout. S'ils mettent mon referral, ils peuvent me donner si, des bonus. Ah si, t'as raison. Ok, est-ce que... Oui, mais en fait, t'as pas à la rechercher, tu le crées directement. Donc. Bah, tu mets tout. Tu vois, mais si, cherche pas. Alors, le précédent s'appelait Tea Time Coffee, mais. Je préfère avoir un nom de moteur qui fait référence comme quoi c'est plat parce que c'est du 2D. Comme quoi c'est plat parce que c'est du 2D. Voilà. D'où le fait que j'appelle souvent mais les moteurs Liquid ou des trucs dans ce genre-là. Liquid Snake. Oui, bah oui, c'est d'ailleurs Liquid Snake s'appelle comme ça parce que justement c'était la version avant de Solid Snake dans les Metal Gear. Je sais pas, est-ce qu'on peut, on peut pas mettre Super Plomb 2000 parce que non, c'est un... Gallium, tiens. Parce que c'est un... Ah, le Gallium, c'est vrai, on en parlait hier. Gallium Plus. Le Gallium Engine. Gallium Engine. Il y a un E. En anglais, non. Si. Non. Ah putain, alors là, si. Sûr. Oh, je suis sûr et certain. Ah, quoique oui, je crois, ouais, en effet. Ah oui, parce qu'il te sort engin. Moi, j'ai envie de laisser comme ça. J'ai envie de laisser comme ça. Moi, ça m'arrache la rétine. Enfin, après, il va falloir une crêpe de cornet, mais bon. Mais le E, c'est français. Parce que moi, je vois... Ah, et peut-être qu'ils écrivent les deux, j'en sais rien. Bref, donc c'est le Gallium Engine. Premier moteur de jeu personnalisé par le gros Robert Group. Au score. Non mais j'ai l'impression qu'il y a une entreprise de dictionnaire, en vrai on aurait dû s'installer à Becherel. Hein. C'est... La Tess. Du coup j'ai vu une affaire sur le bon coin pour une NES. Ça serait à étudier pour un cadeau d'anniversaire. Non mais là j'ai avalé de travers. T'es supposé m'aider dans ces cas-là. Bref. Pourquoi je vais tousser à ta plotte, peut-être ? Bah oui. Action. À moins qu'après on change ça. SF, on peut faire limite du repeu-jeu. Du repeu-jeu. Faisons du repeu-jeu. Le repeu-jeu sur la Tess, ça donne quoi ? Oh. Ça marche mal, je crois. Ah, je crois que ça marche très très mal. On parle de Nintendo là. Ils ont fait certes Mario RPG, mais c'était pas tout de suite. Bah c'était sur la SNES. C'était sur la SNES. Et bien sûr, notre moteur Gallium. Du coup... Mousse Effect. Mais on l'a fait plusieurs fois, Mousse Effect. Oui, mais pas sur cette partie. Et ben faisons Mousse Effect. By L'Oréal, j'ai envie de rajouter, tu vois. Donc il sait. Parce que je ne vaux rien, c'est ça. Ah non, ça, on pourra peut-être le faire pour une suite, par contre. Mousse Effect, parce que je ne vaux rien. Ou coiffeur Simu aussi, enfin bref. Allez, let's go. Avec le retour des shampooineurs. Le retour des shampooineurs, bravo. Merci, c'est un plaisir. Le retour des... Bah, sauvegarde quand même un petit peu, non? Tu mets les deux techs. En fait, c'est tant que tu peux rajouter des techs sur le côté, peu importe si tu mets des points de temps dedans, tant que t'as pas le pourcentage, faut en mettre. Ouais, mais je crois que là, on est bon, hein, en vrai. J'ai pas envie de faire de conneries parce que j'ai peur de me planter, mais normalement c'est bon. C'est ça. D'après moi, je mets le mode pour avoir vraiment le pourcentage sur les chèques tirettes. Ah ouais. Est-ce que c'est bon ça? Normalement oui. Hein.
ça à la fin et il faut un rapport de deux fois plus de design que de tech. Voilà. Oui, bah c'est ça. Hein. Repeje 180 euros. Oh, parfait. Attends. On va trop tard, c'est piqué. C'est juste que je te vois. Alors, deux fois plus de. Ouais. Tu mets le son à 40 et c'est bon. Ouais, normalement, c'est ça, ouais. Parfait. Faut juste que. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ouais, là, on est c'est parfait. Là, c'est parfait. Non, je vais éviter de mettre le curseur dessus pour éviter de misclick parce que là, voilà, quoi, je me connais. Et là, achou, et merde. Ah là, je pense qu'on va peut-être avoir. Oh oui. Oh la vache. C'est con parce que moteur, on était pas loin. Publish. Oh merde, du coup j'ai pas regardé, mais bon. D'accord. Il a tissé les sons mono. Bon, intéressant ça. Ouais, est-ce qu'on ferait pas un petit. Alors, je vais regarder les contrats, tiens. Fais déjà ton rapport sur le jeu. Oh, celui-là. Ah ouais, non, mais en 4 semaines, ça fait court. Tous. Bah. J'ai pas eu le temps. Il y a du disque qui sort. Il y a du disque qui sort, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. La mousse fait son effet. On va être sur 8. Oh là. Yeah. Oh là 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 là. Faire un rapport, voilà. 8-25. Oh, je pense là que ça va. Ouais, c'est peut-être celui qui va nous faire sortir du garage, mais il va remettre. Non, mais merde, c'était quoi comme étiquette du coup, la Flying Smirnoff. C'était quoi? C'était pas aussi. C'était avion simu, hein, c'était ça. On voulait refaire le Concorde et puis finalement on a fait la Smirnoff. Donc. Ouais, donc ça, ce sera bon à améliorer par la suite. Que peut-on faire? Ouais, rechercher. Les tacticiels sont nous. On peut pas rechercher les dents en même temps. Mais t'en fais un produit, comme là t'as largement assez de camp, faut rechercher les deux. Et puis on a un petit peu. On a quand même une marge au niveau saut aussi, donc.